tous, je reviens avec un haul action. Donc c'est parti. Alors j'étais un petit peu déçue chez Action car j'ai pas trouvé, il y avait une nouvelle palette qui ressemble apparemment à la New Nude. Je me dis ce sera une prochaine fois. Pareil chez Action, hein, c'est bien sécurisé, vous avez le gel hydroalcoolique, il désinfecte bien les caddies, là vous savez, les petits paniers. Et en plus, il vous donne une paire de gants. Dans le Action où j'ai été, c'est un des nouveaux. En plus, non seulement il y a le gel hydroalcoolique, mais il y a les gants. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Alors, je vais commencer par ça. J'ai repris les enveloppes bulles pour des envois et pour mes concours. Ça, de mémoire, il me semble que c'était 99 centimes les trois. De toute façon, je vous remarquerai dans la vidéo. Il me semble qu'il y en a trois. Oui, c'est ça, trois grandes enveloppes bulles. Il n'y avait plus de petites. Mais comme je commençais à être à court, je me suis dit, je vais reprendre des enveloppes bulles. Donc, celles-ci, je les ai trouvées. Ensuite, j'ai retrouvé mes fameux sacs poubelles à la lavande. Je les ai pris par lot de 3. Voilà. Comme je vous ai dit, la dernière fois, j'en ai trouvé chez Leader Price. C'est à peu près les mêmes. Donc, toujours par 15 à la lavande. 30 litres. Ils sont vraiment très, très bien. Donc, j'en ai pris par 3. Par lot de 3. Ensuite, en produits ménagers, j'ai pris une petite lessive comme ceci. Le Persil Ultimate. Non bio. Détergent au Power Game, le Persil Ultimate. Apparemment, vous avez un petit doseur. Par contre, c'est en poudre. Voilà, vous pouvez faire jusqu'à 19 lavages. Alors, je vais voir ce que ça sent. Alors, voilà, vous mettez une petite dose comme ceci, je pense. Alors, il y a un bouchon sécurité. Voilà, je l'ai ouvert. Je l'ai refermé, évidemment. Ça sent super bon. Ça fait comme des petits cristaux. Ça sent bon le frais. J'essaie de vous montrer. C'est bleu et blanc. C'était une petite promo, il me semble. Il me semble que c'était aux alentours des 2 euros. Donc, à tester. Alors, c'est marqué tout en français. Trois fois plus frais. Freshness, je crois que ça veut dire trois fois plus frais. Donc, à tester. En général, je prends les petites deux pods en liquide. Et vu que j'ai vu, et vu que cette petite lessive était en promo, je me suis dit, ben, je vais la prendre. C'est marqué nouveau. Donc, à tester. En produits ménagers, c'est tout ce que j'ai pris. Je voulais trouver le pchit-pchit, vous savez, pour nettoyer la cuisine. Mais bon, il n'y en avait plus du tout. Il restait que pour la salle de bain. Mais bon, j'ai le rose et le rose, ça sert pour tout. Ensuite, j'ai pris des pics à barbecue. Au départ, je croyais que c'était des pics un peu plus petits. Voilà, en prenant comme il fallait, quand on prenait quelque chose, il ne fallait pas le reposer. Je me suis trompée. Mais bon, vu qu'on va faire un barbecue en tout petit comité ce week-end, ben, on s'en servira pour ça. Ce sont des brochettes en bois de bambou. Vous avez 100 pièces. Donc, on fera nos brochettes nous-mêmes. Moi, je m'attendais à des... Ce que j'avais pris à un moment, des demi... comment ça s'appelle? Demi-pique apéritif. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je m'en servirai... On s'en servira quand même pour un barbecue. Voilà. Donc, ensuite, on va passer aux gourmandises. Vous allez voir, j'ai pas pris beaucoup, beaucoup de choses. Hein. J'ai pris 2 Toblerone, un au chocolat blanc et un au chocolat normal. Donc, c'est au nougat. Hein, je pense que tout le monde les connaît. Voilà. Ça, c'était... non, c'était pas vers les caisses. Voilà pour ça. Ensuite, alors les masques, c'est pareil. C'était dévalisé, rayon masque. Je n'ai pas pu voir s'il y avait des nouveautés ou pas. J'ai pris un petit carnet comme ceci, un peu effet holographique. C'est un carnet A5, vous aviez 90 feuilles. Voilà, pareil, petit aparté dans la semaine d'action, la promotion, il n'y avait pratiquement plus rien. J'ai regardé une vidéo avec, il y avait des petits bullets journal en promotion, j'en ai pas trouvé du tout. Mais bon, je ne sais pas faire les bullets journal. Donc, enfin bref, j'ai pris un petit carnet en forme de bouche avec la première page qui est holographique. Et le reste, ce sont
des petites pages lignées, tout simplement. Hein. Ça, c'est bien sympa pour déchirer la feuille. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez sympa. Bon, j'en ai pris qu'un. Il y avait d'autres carnets, mais j'en ai déjà pas mal. Je l'ai trouvé très, très joli. Je me suis dit, pourquoi pas pour offrir ou pour un concours. Voilà, j'ai trouvé vraiment très, très beau. Ensuite, en masque, j'ai trouvé... Ben, j'ai juste pris deux masques pour les lèvres. Je les adore, ceux-là. Voilà, les masques gold. Très, très bien. Ensuite, j'ai pris deux sels de bain crépitants. Ça, je ne les ai jamais testés. Goût green. Voilà, donc j'en ai pris deux. Je pense que ce sont les deux mêmes. Vous avez dedans 60 grammes. Qu'est-ce qu'ils nous disent en français? Sels de bain crépitants, c'est tout. Voilà, donc ça doit crépiter dans l'eau. Donc plutôt top. Il me semble que c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai repris pour glisser dans un concours aussi. J'en ai déjà. Et je les adore. J'en ai un dans mon sac d'ailleurs. Vous avez un au cranberry et l'autre au fruit des bois. Ça, c'est vraiment top à glisser dans son sac. En plus, je trouve que ça dure super longtemps. Donc, ce sont deux petits sprays pour les mains. Voilà, par deux, pour des mains propres sans savon. Donc ça, c'est vraiment top. J'adore l'odeur. Ensuite, j'ai pris... C'est pareil, il n'en restait que deux. Un démaquillant yeux de la marque Nivea. Voilà. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Alors, je ne l'ai pas senti. Ça, je le testerai une fois que j'aurai fini celui que j'ai. Ça sent bon le produit Nivea, tout simplement. Donc, par contre, je suis en train de penser, c'est pas un biphasé. C'est au provitamine B5, 125 ml. Donc, le waterproof, à mon avis, ça va être limite. Mais si on ne met pas de waterproof, je pense que ça fait son job. Je vous en reparlerai quand j'aurai testé. J'ai pris un shampoing sec de la marque aussi. La dernière fois, j'ai hésité. J'ai pris le conditionneur en mousse. J'adore. Je l'ai testé deux fois déjà. Il donne un peu d'épaisseur pour les cheveux fins. Donc, je l'ai bien aimé. Et je me suis dit, je vais prendre le shampoing sec. Donc, Wash Blow. Donc, c'est au Tropical Punch. Pareil, c'est marqué tout en anglais. C'est assez pénible. Et comme on n'avait pas le droit de toucher les produits si on ne les achetait pas, donc je ne pouvais pas prendre le produit, lire ensuite, malgré qu'il y avait quand même les gants et le gel hydroalcoolique, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est juste utilisation, donc secouez bien, vaporisez mèche par mèche, sur vos racines, massez et brossez. Je pense que c'est à 30 cm. Voilà, tout est écrit en anglais et sur l'étiquette blanche, il n'y a rien marqué de plus. Alors, je pense que c'est odeur tropicale. Voilà, à tester. De la marque aussi, j'ai repris un conditionneur. Le Daily Miracle, après shampoing aussi. C'est un gros format de 250 ml. Je ne vous ai pas dit, le shampoing sec, c'est 180 ml. 180 ml ou 120 grammes. Voilà. Et le... C'est marqué après-shampoing pour un lavage quotidien qui sort de l'ordinaire. Alors, c'est un après-shampoing, je ne comprends pas. Vos cheveux seront doux, brillants et souples. Un vrai miracle. Donc, c'est un après-shampoing, normalement. Hein. Pour un lavage quotidien qui sort de l'ordinaire. Donc, en français, après-shampoing, testé français... voir à l'intérieur de l'étiquette. Alors, les traductions sont pas toujours bien faites. Donc, je l'ai senti, il sent plutôt bon. Donc, je sais pas pour quel type de cheveux c'est. Donc, ce sont des produits australiens aussi. Hein, je pense que tout le monde connaît cette marque. Donc, je vais essayer de regarder à l'intérieur. En plus, j'ai pas pris mes lunettes. Non, à l'intérieur, j'arrache juste l'étiquette. Bon, enfin bref, on verra bien ce que ça donne.
pour un lavage quotidien. Alors, je pense que c'est aux herbes. On dirait que ça a une petite odeur de pêche. Bon, ça, je testerai une fois que j'aurai fini mes après-shampoings. Ça, c'est aux alentours des 3 euros et quelques. Voilà. Par contre, pour moi, ce sont des nouveautés que j'ai jamais vues chez Action. Enfin, du moins chez Action. Ce sont les Eda Shoulders 2 en 1 sensitive, mais à l'aloe vera. J'en ai pris deux. Alors, ce sont des petits formats, par contre. Ce sont des formats de 255 millilitres. Ce n'est pas les mêmes qu'on achète en grande surface, hein. C'est vraiment le plus petit modèle. Voilà, donc 2 en 1 sensitive, soin doux pour cuir chevelu sensible. Vous avez le shampoing avec de l'après-shampoing inclus, 2 en 1, 3 actions. Et il me semble que c'est à l'aloe vera, si j'ai bien vu. Sur le dessin, c'est marqué aloe vera, hein, c'est de l'aloe vera. Donc, vu que de temps en temps j'ai des démangeaisons au cuir chevelu, je me suis dit, je vais en prendre un. Ben, les Eda Shoulders, de n'importe quelle odeur, ça sent toujours les Eda Shoulders. Donc, dites-moi, mais pour moi, c'est de l'aloe vera, hein, ça. Voilà. J'arrive pas à voir, c'est pas précisé en français. La formule 2 en 1, nettoie, protège et hydrate. 100% des pellicules, vos cheveux seront doux, etc. Voilà, bon, pour moi, c'est de l'aloe vera. Donc voilà, j'en ai pris deux. J'ai hésité à en prendre plus et je me suis dit, je vais en prendre deux, soyons raisonnables. Ensuite, j'ai repris un de mes chouchous que je vous avais montré. Comme j'ai vu que l'étiquette était barrée, je me suis dit bientôt il n'y en aura plus. Ce sont les Bêtises Nature là à l'aloe vera. Donc j'en ai trois en stock, j'en ai un que je suis en train de terminer. Donc celui-ci, ce sera mon quatrième. C'est pour tout ce qui est talons, c'est pour tout ce qui est peau sèche. Ce soit pour les lèvres, j'utilise le soir en baume à lèvres, pour les cuticules. D'ailleurs, il faut que je fasse mes ongles. Donc, c'est pour les cuticules, pour les lèvres et pour les talons des pieds. Ça fait un peu toute zone sèche. Que je retrouve le français baume apaisant multi-usage pour lèvres et peau sèche, les cuticules et les ongles. Voilà, pareil, je vous avais déjà dit, bah là par contre, en l'occurrence, on ne peut pas ouvrir dans le magasin. Donc, moi, en sortant, j'ai regardé s'il y avait bien l'opercule. Dans le magasin, bah, c'est interdit de faire ça, hein. On ne peut pas vérifier du coup, hein. Donc là, il y a bien l'opercule. Donc, je suis très contente. Voilà. Et les deux derniers produits, j'avais pas entendu de très très bons avis là-dessus. C'est un peu le même style que ce que j'ai pris, que ce produit-ci. Où est-ce que je viens de le mettre? C'est un peu le même style de produit. Voilà. Donc, ce sont ces produits-ci. Apparemment, beaucoup de youtubeuses disaient qu'ils n'étaient pas tellement parfumés, ceux-là. Vous avez. Donc, c'est pareil, c'est pour lèvres. Alors, appliquez régulièrement sur les lèvres, la peau, les ongles et les cuticules au besoin. Voilà, c'est pareil. Hein, c'est le même style de produit que celui-ci, c'est pas la même marque. Là, vous avez un format de 25 millilitres, mais c'est tellement concentré qu'il faut une toute petite noisette. Et là, ce sont des formats de 50 millilitres. Voilà, alors, shea butter, il me semble que c'est amande ou beurre de karité, je ne sais plus du tout. Donc, ça se présente comme ceci, c'est hyper compact. Non, il n'y a pas d'odeur, c'est hyper compact. J'ai vu comme un petit crash test, il faut bien appuyer dessus pour faire sortir la matière. Donc les odeurs, donc shea butter, je pense que c'est beurre de karité ou amande, je ne sais plus. Il y a celui-ci. Et vous avez celui-ci. Donc c'est l'original à l'aloe vera. J'ai pris beaucoup de choses à l'aloe vera. Hein. Ce soit les shampoings
le petit baume comme ceci, shampoing, et celui-ci, j'ai pris l'aloe vera, c'est super nourrissant, hein. Donc pareil, pour cuticules, appliquer régulièrement donc, sur les lèvres, la peau, les ongles, les cuticules au besoin, le talon des pieds, hein, pareil. Donc ça, c'est l'original à l'aloe vera. Il me semblait qu'il y en avait un qui était teinté rose ou pêche. J'ai pris les deux derniers qu'il y avait, car pour les talons des pieds, moi j'ai tendance à avoir les pieds assez secs. Je me suis dit, je vais les prendre. Ouais, c'est une sorte de vaseline, hein, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'en ai eu pour un total 31,93. Voilà, mais j'avais quand même des produits qui n'étaient pas donnés. Comme les produits aussi, ils étaient aux alentours des 3-4 euros. Voilà, donc c'est vrai que ça chiffre vite. Mais je préfère prendre quand même des marques comme Nivea aussi. Voilà, les produits Action sont bien, mais surtout pour le rayon ménager. Voilà, mais j'ai quand même trouvé, surtout les enveloppes bulles, je commençais à en manquer. Donc, je suis super contente. Et j'ai hâte de tester cette lessive. Elles sont super bonnes en plus, la persil. Voilà, je l'avais vue dans les halls. Et là, il y avait pas mal de lessive. Vous aviez de la Ariel spéciale couleur. Bon, je ne l'ai pas prise, je me suis dit, je vais prendre un seul bidon. Voilà, car j'ai pas mal de lessive. Et ben voilà, mon haul Action est fini. Donc vous voyez, je n'ai pas fait de folie. Ben, comme je vous dis, j'espère trouver la nouvelle palette qui ressemble un peu à la New Nude de Huda Beauty. J'ai vu un crash test. La palette a l'air plutôt pas mal. J'espère en trouver deux. Une que je vous ferai gagner. Pas dans mon concours des 3000 abonnés. Je pense vous le faire gagner cet été, tout simplement. N'oubliez pas que j'ai un concours. Je vous renvoie sur la vidéo concours qui est valable jusqu'au 1er juillet. Donc pareil, il faut habiter en France, il faut être abonné à ma chaîne, etc. Donc j'espère que mon haul Action vous aura plu. Donc il n'y a pas vraiment de nouveautés, à part peut-être celui-ci que j'ai encore pas vu dans mes Actions. Dites-moi si vous avez testé. Les produits aussi, ces deux-là, ça je ne les avais pas vus. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait en nouveauté. Hein. Le reste, eh ben, c'est pas des nouveautés, hein, ça fait un petit moment, mais comme je les aime bien, je vais vous en glisser un dans un concours, hein, je les adore. Tout le reste, c'est pas du tout des nouveautés, hein, moi j'en ai pas trouvé du tout. Comme je vous dis, il n'y avait plus le rayon masque, était vide de chez vide. Il en restait quelques-uns, mais ben voilà. À mon avis, pour aller chez Action actuellement, vu la période, il vaut mieux y aller de bonne heure le matin, mais bon, quand on travaille, c'est pas évident. J'ai pas pensé, j'aurais pu y aller vendredi matin, vu que bah, je suis en congé. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, si ça se trouve, il y aurait eu du monde pareil. Hein. Enfin bref, j'ai quand même trouvé de quoi tester. Hein. Voilà, bah écoutez, surtout, je suis très contente d'avoir retrouvé mes petits sacs poubelles. Car mine de rien, ça m'a bien aidé pendant le confinement. Hein. Comme quoi, ça sert bien de faire du stock des fois. Hein. Et ben voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Bye bye.